D'accord. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous me recevez bien et que vous m'entendez bien. Je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une heure et demie avec Charles Boistier. Bonjour Charles. Bonjour Franck. Et aujourd'hui, Charles est vert, mais tout à l'heure, il n'était pas vert et puis il est redevenu vert. Alors on va supposer que ça va être vert pendant un certain temps. On ne profitera pas des couleurs de ta chemise aujourd'hui. Dommage. Je sens qu'on va, on va perdre beaucoup sur ce truc. bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur beyonce.net/live/fr. Bienvenue à ceux qui sont avec nous depuis longtemps et qui sont par exemple sur YouTube et qui ne savent peut-être pas qu'ils sont les bienvenus du côté Beyonce, c'est-à-dire que vous allez regarder dans le chat de YouTube, vous cliquez sur le petit lien que je vous ai mis en premier pour participer à la conversation, et comme ça vous nous retrouvez de l'autre côté et on arrive à se parler. Ça me permet de ne lire qu'un seul écran à la fois, c'est pas mal. Ça me simplifie beaucoup la vie, donc je pense à Sylvain, Tessier, Laetitia, Thierry, Pierre, Diessiré, vous êtes les bienvenus de ce côté-là aussi. D'ailleurs, tiens, je vois Sylvain Tessier qu'on avait reçu l'an passé lors des 3 jours photos, et on avait justement précisé à ce moment-là que Sylvain était lui aussi illustrateur médical, donc on va parler de ça aujourd'hui. Petit retour aussi sur la semaine qu'on est en train de passer ensemble. Lundi, Arnaud Huc pour parler réalisation vidéo. Mardi, on a travaillé sur du design de logo entre Fresco et Illustrator. Mardi après-midi, il y avait Lise Martegout pour faire de l'animation, donc de l'animation dans Animate et de la préparation de Turn pour de la production. Aujourd'hui, donc, Charles qui est avec nous. Demain, on parlera de Photoshop ensemble et de workflow. Et enfin, vendredi, ce sera Pauline qui reçoit Morgan Gage pour parler d'identité de marque et de développement d'un portfolio avec un client ou de diffusion. Donc n'hésitez pas à regarder, à rester avec nous. Vous êtes forcément abonné à la chaîne YouTube Adobe France, forcément vous avez activé les notifications du côté Behance, et on va pouvoir poser, enfin je vais pouvoir poser ma question habituelle à Charles, en dehors de pourquoi est-ce que tu es en vert aujourd'hui, c'est en quelques mots, sans images, comment est-ce que tu te définis ? Ah, mince, tu commences par une colle, ça fait plaisir. Je me définis comme un illustrateur scientifique spécialisé en anatomie et en chirurgie. Parfait. Voilà. Bon, bah ça, c'est très bon. C'est un très très bon point pour démarrer. est-ce qu'on ne partagerait pas de ton côté sur ton écran une vue avec par exemple un bout de portfolio ? J'ai vu que tu avais mis à jour ton Beyonce. Tout à fait. J'ai mis à jour mon Beyonce. Donc, je peux te le montrer. Donc là, c'est j'ai mis en ligne quelques réalisations récentes. Mm-hmm. Donc voilà, moi, ce que je fais le plus, c'est des choses de ce type-là. Je ne sais pas si on voit bien. Donc c'est de la chirurgie. Ici, on a une vue de la main qui est pas parfaitement en vue palmaire, donc la paume, mais un petit peu vue de côté, puisque l'idée, c'était dans cette illustration de montrer le problème du canal carpien, par exemple. Mmh. Et de montrer comment on insère des instruments divers et variés à cet endroit-là. Tu vois, je fais défiler un peu pour pouvoir résoudre ce problème de canal carpien. Et dans ce cas précis, les chirurgiens ne s'embêtent pas, puisqu'en fait, ils coupent cette membrane qui relie deux zones musculaires très importantes de la main. Mmh. Et voilà, donc on a ce qu'on appelle un ancillaire. Je vous le dis, mais je n'ai jamais vu le truc en action. Et je ne suis pas un expert de cette chose-là, mais en gros, on coupe carrément cette membrane qui s'appelle le rétinaculum des fléchisseurs. Attention, c'est ronflant. C'est pas mal comme thème, comme titre. Voilà, donc le rétinaculum des fléchisseurs, c'est cette membrane qui est censée... là, tu vois, je fais un zoom parce que j'étais assez content du rendu de mon petit ancillaire.
Et donc voilà, l'idée c'était de partir du fait qu'on a mal dans la main et notamment le nerf médian est comprimé parce que parfois le rétiniculum défléchisseur est trop serré. Et donc les chirurgiens, ils disent, écoute, c'est pas grave, c'est pas une structure qui est finalement si importante que ça. On ne peut pas avoir les tendons qui vont partir dans tous les sens quand on l'enlève, donc ils le coupent et ça soulage. Tout Et à donc fait. l'idée c'est de montrer ça, à la fois aux autres chirurgiens. Donc là dans ce cas c'est quelque chose d'assez précis pour les autres chirurgiens. Et puis parfois je réalise des illustrations un petit peu plus grand public et moins détaillées. Ça dépend un peu de la demande. Carrément. Voilà pour ce projet. Alors, il y a des gens dans le chat qui me font signe et qui me disent, mais il est ouvert. Oui, il est ouvert. Donc, pour tous ceux qui découvrent au fur et à mesure que ta caméra nous passe en verre aujourd'hui, on n'y peut rien. On ne sait pas le gérer. C'est bizarre. Mais ça va très bien. Ça va aller. Donc les illustrations sont pas toutes vertes, moi ça me Voilà, les va. illustrations sont toutes en couleur, on a tout le détail sur l'image, donc ça va fonctionner quand même, rassurez-vous. Et du coup, j'en profite pour dire bonjour à Kirsty, Phil, Sylvain, Jérôme, Yves, Laurent, Franck, Delphine, Fifi, qui j'oublie, Jamila, Clémentine, Il y a du Pierre, monde. Bénédicte. Il y a du monde, il y a vraiment beaucoup de monde, vous êtes tous là. Et effectivement, ouais, j'ai choisi pour comme vignette. Pour la session, une vignette d'une coupe de genou qui n'était pas Qui très est là nette. d'ailleurs, Voilà. qui est Et là. pour tous ceux qui sont un peu sensibles sur la peau, les os, les Ouais. écorchés et qui sont pas prêts, je pense que ce sera pas la meilleure session pour vous. Donc. L'idée, c'est d'éplucher un peu le corps humain. Donc, effectivement, il y a des structures anatomiques parfois un peu sanguinolentes. D'autant plus que, pour ma part, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la dissection. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu gore pour certaines personnes. Mais maintenant, c'est vrai que dans l'absolu, je ne vais pas vous montrer les photos que les chirurgiens m'envoient. Hein, je vais vous montrer que les dessins finis. Donc, le principe même, c'est de nettoyer un peu et que ce soit plus regardable, justement, puisque beaucoup de médecins, des chirurgiens communiquent auprès de leurs patients. Visuellement, ouais, aussi. Uniquement auprès de leurs patients, parce que les patients sont extrêmement curieux et veulent savoir ce qu'on va leur faire, ce qui est normal, parce qu'on leur coupe des trucs. Donc, ils veulent Ouais. savoir ce qu'on leur coupe. Et donc, l'idée, c'est pas de leur montrer une opération chirurgicale, parce que sinon, ils signeraient pas. Donc, on leur montre une version un petit peu plus Aseptisé. aseptisée, Ouais. aseptisée, exactement. Tout à fait. Tout à fait, Donc tout à fait. là, l'histoire du genou, c'est comment on dit, un orthopédiste qui donc est un chirurgien souvent des membres. Et là, donc il travaille sur le genou et donc il voulait montrer une rupture des ligaments croisés, problème qui arrive très régulièrement, comme on le sait, dans les milieux du football notamment et de plein d'autres sports qui sollicitent beaucoup les genoux. Et donc là, l'idée, c'était de. On voit bien mon écran, je ne sais pas si je Ouais, défile. t'inquiète, t'inquiète, ton écran est nickel, il n'est pas vert. Voilà, il est pas On vert. ne voit Donc que là, ça. là, il fallait résumer les structures anatomiques en jeu, qui sont ces deux grosses bandelettes à l'intérieur du genou qui permettent à la fois au genou d'éviter de se plier trop fort ou de se tendre trop fort. Et quand ça casse, on procède à des réparations. D'accord. Donc là, je ne sais pas si on le voit, mais le ligament croisé antérieur est déchiré. Et donc là, il y a tout un système de poulies et de bricolage. J'aurais dû le mettre, ça d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais on récupère carrément une partie de muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse, qui sont des muscles un peu qu'on appelle accessoires, donc qui servent, mais pas trop. Et donc, puisqu'on perd une grosse partie de fonctionnalité au niveau du genou, on va aller récupérer ce muscle à l'intérieur de la cuisse, on va le couper, et on va garder son insertion sur le tibia, et on va aller percer à l'intérieur du tibia pour aller créer une sorte de ligament antérieur factice. C'est ce qu'il appelle donc une ligamentoplastie. Donc ça donne ça. Donc là, on a fait un code couleur un peu précis parce que c'est pour expliquer aux chirurgiens comment faut faire. Et donc forcément, puisque les tendons ils se ressemblent tous et qu'ils sont tous un peu gris, blanc, rose, on met un code couleur un peu précis pour dire que par exemple dans ce cas-là, je ne sais pas si on le voit, mais j'arrive pas à mentir. Dans ce cas-là, on récupère deux morceaux de muscles, on les plie l'un sur l'autre, un peu en mode lasagne, et il y en a un qu'on va aller étirer plus loin, qu'on va aller rabattre. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. D'accord. Voilà. Et jamais le chirurgien est déçu qu'à l'intérieur ce soit pas autant en couleur. Si, si, parce que c'est vrai que, en fait, quand on a des photos et des illustrations ou des vidéos, eux, ils arrivent en fait à différencier très bien les structures parce qu'en fait, ils sentent
Ils touchent les structures et donc ils font très très bien la différence entre un cartilage, un os, un ligament, un tendon, toutes ces choses-là. Un ménisque, par exemple, c'est une structure qui est, vous savez, les ménisques, c'est ce qu'il y a entre vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais c'est une structure qui est mobile entre La les deux rotule. cartilages du tibia et du fémur. Et le ménisque, c'est une structure fibreuse très particulière qui est d'ailleurs très très dure à représenter graphiquement. Mais eux, ils savent faire la différence. Donc moi, je fais plus ou moins un tendon, puis je rajoute du violet dessus, quoi. Voilà. On trouve des techniques pour bien différencier visuellement les structures dans nos illustrations. Donc c'est là où on s'éloigne vraiment de la réalité. Et c'est là aussi où on a une vraie plus-value en tant qu'illustrateur par Oui, rapport à forcément. un photographe, puisque sur les photos, tout est de la même couleur, en fait. À part les muscles qui sont vraiment très différents, qui sont bien rouge vif souvent, tout le reste est gris, rose, un peu comme ça. C'est ça, mais c'est Voilà. pour distinguer les trucs qui bougent et les trucs qui bougent moins. Exactement. Je ne sais pas si je dis trop d'explications ou pas, donc n'hésite Ben pas à me écoute, couper, Franck. on va faire un sondage dans le chat. Est-ce que ça vous va, les explications scientifiques? Est-ce que vous êtes prêt à rattraper tout ce que vous n'avez pas suivi pendant vos cours depuis des années? Il Non, non, non. y a Thierry qui nous dit c'est fou le nombre de trucs qu'on a dans le corps et qui servent, mais pas trop. C'est même étonnant parce que, tu vois, pour petite anecdote, il y a une opération qui existe très fréquemment dans l'épaule, qui est une opération où, tiens, je vais te montrer un exemple. On coupe carrément une partie du muscle qui ne nous intéresse pas, donc je vais aller voir ici. Donc ça, c'est ce que je suis en train d'illustrer en ce moment. Et on coupe, voilà, donc le muscle qui est le plus connu sur le bras, c'est le biceps. Et le biceps a cette particularité qu'il a deux, donc biceps comme deux chefs. Un chef, c'est vraiment une Il y a deux structure têtes, autonome ouais. du muscle, voilà, deux têtes. Et je vais zoomer un petit peu. Et donc l'extrémité du biceps au niveau de l'épaule, donc là on reconnaît un peu, là je joue un peu sur mes calques, on va reconnaître un peu les os de l'épaule. Donc on a l'humérus qui est l'os du bras, et puis on a l'omoplate qui s'appelle en langue scientifique ou en langue médicale, pardon, la scapula. Ah oui. Et donc entre la scapula et l'humérus, il y a enfin, ce biceps est connecté là-dessus, et on a à la fois un chef qui est un peu plus petit que l'autre, qui est le chef long du biceps, qui va aller glisser comme ça dans l'humérus, puis aller se connecter à la scapula ici. Et devant, on a un gros morceau qui va se connecter sur une petite pointe osseuse qui s'appelle une apophyse, de son petit nom, l'apophyse coracoïde. Voilà. Écoute, Donc, c'est... tous ces trucs-là, bon, je vous passe les détails, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce long biceps, en fait, très souvent, quand on a un traumatisme et qu'on tombe, il saute en fait de sa. Tu vois, il y a deux pointes ici qu'on appelle des, je sais plus d'ailleurs, des trochlétaires, je crois. Bref, on a deux sommets et on a au milieu la gouttière bicipitale, ça s'appelle. C'est donc un creux carrément, comme une rivière au milieu de l'humérus. Et donc, comme je disais, quand il y a un choc, le tendon saute et fait très très mal puisqu'il racle, il y a plein de muscles à cet endroit-là que j'ai pas encore dessiné. Et donc, les chirurgiens, quand ils opèrent les patients, assez fréquemment, pas tout le temps, ils coupent carrément le biceps ici. Ils enlèvent ce tendon qui va souvent bouger et faire des grosses douleurs. D'accord. Et ça, c'est parfois c'est recousu, mais parfois c'est carrément juste coupé. Et ce qui fait qu'on a des cas concret d'adulte où on voit que l'avant-bras est un peu mou, puisque le biceps se rétracte un peu et fait une bosse sur le devant du bras. Donc, assez incroyablement, ce tendon n'a pas l'air d'être indispensable. Eh ben tu vois, je j'aurais Voilà. pas cru et j'aurais pas pensé que ça pouvait exister. Très bien. Je suis content Ouais. T'es content qu'on d'apprendre puisse ranger des choses. Et j'ai une ça? question Oui. de Diasirae qui nous dit Charles est un scientifique devenu illustrateur ou un illustrateur qui s'est spécialisé en chirurgie? Eh ben, c'est une très bonne question. Moi, je suis vraiment illustrateur à la base et je me suis spécialisé en sciences en faisant des études à l'école Estienne à Paris, qui est une école, je pense, assez connue. Il y a une petite section qui, pour le coup, est très, très méconnue, qui s'appelle la section illustration médicale et scientifique quand j'étais étudiant, qui maintenant est devenue design d'illustration scientifique. Donc, on a enlevé le côté médical qui était un peu trop restrictif et on est passé sur le côté scientifique plus large, puisque dans cette section, on apprend pas mal de choses en anatomie, mais aussi en biologie. On apprend à dessiner des animaux, on apprend à dessiner des plantes, etc. Et après, chaque étudiant, chaque illustrateur, en fonction de ses préférences, va aller s'orienter plutôt vers l'anatomie, vers voilà, les plantes, etc. Donc moi, j'ai plusieurs amis
de cette section, qui sont devenues, ben, il y en a une par exemple qui est illustratrice au musée de paléontologie à Paris, donc qui fait des reconstitutions d'animaux préhistoriques à partir de fossiles. C'est hyper intéressant. Donc c'est Charlène Leteneur, hein, si jamais vous avez envie d'aller voir son Instagram, c'est très bien ce qu'elle fait, c'est incroyable. J'ai d'autres collègues qui sont spécialisés par exemple en illustration pour enfants, donc plutôt de la vulgarisation pour les enfants. Donc on adapte un peu le graphisme pour que ce soit encore plus regardable pour les enfants. Certains sont spécialisés plutôt dans les plantes, enfin voilà, différentes choses. Carrément, c'est très cool l'Instagram de Charlène. Je Ouais. copie-colle pour ceux que ça Ah ouais, tenterait. elle vient de se lancer il n'y a pas très longtemps et ça commence déjà à bien exploser en termes de suivi, ce qui montre la qualité de son travail, je pense. Muséum national Donc voilà, d'histoire. moi je suis illustrateur devenu scientifique en ayant fait des études un peu spécifiques. On a notamment des UV d'anatomie carrément à la Pitié-Salpêtrière. Donc on a des cours avec des infirmières, etc., qui apprennent l'anatomie. On est dans des amphis. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on n'était que sept étudiants donc, quand j'ai fait mes études. Donc c'est vraiment des toutes petites promos. Ah oui, du coup, Et on est au cœur du voilà. sujet et je suppose que la Ouais. moindre question, ça passe. Ça doit Ouais, être hyper précis, quoi, c'est assez hyper. intéressant, effectivement. Après, moi, je suis pas du tout spécialisé. Enfin, là, je sors des mots un peu scientifiques, mais en vrai, je connais assez mal toutes ces structures-là. Ce que je connais bien maintenant, c'est les vocabulaires. Et donc, l'intérêt, c'est qu'à chaque fois qu'un médecin m'appelle pour faire des illustrations, quand il me parle, je comprends. Donc, déjà, c'est pas mal. Et puis, bah, après, je regarde les livres qui existent de science. Sur le sujet, puis je m'informe, je perfectionne. Donc il y a un petit travail un peu de documentaliste qui est très intéressant. Parce que t'es obligé, la première fois, c'est normal que tu découvres, la fois suivante, je suppose qu'il doit attendre un petit peu plus de précision aussi sur ce que tu lui envoies, sur ce qu'il récupère et tout. Il doit y avoir cet Oui, échange-là. après, chaque projet est tellement spécifique, chaque chirurgien a une vision tellement personnelle, parce que ça, c'est un truc qu'il faut savoir qui est hyper étonnant, c'est qu'en fait, l'anatomie change beaucoup d'un individu à l'autre. Et les chirurgiens, en fonction des types d'anatomie qu'ils ont rencontrés dans leur expérience, eh bien en fait, ils ont une vision de l'anatomie qui est un petit peu personnelle. Ce qui fait que presque, alors qu'on pourrait croire que, bah, une fois que j'ai dessiné une main, bah, j'ai dessiné une main. Ou de t'as En fait, dessiné toutes les mains, mais en fait pas du tout. pas du tout. Et ça fait que malgré ce que j'aurais cru, j'allais pouvoir pas mal recycler mes dessins. C'est pas si facile que ça. On a à chaque fois presque à retravailler de zéro pour vraiment suivre la demande du client, avoir un angle de vue un peu différent, etc. D'accord, bah tu vois, y a plein de petits trucs en plus. Il y a Elmark qui nous demande, est-ce qu'il y a beaucoup de boulot dans ce domaine-là? Alors oui, c'est. Bah, comme tous les freelances, bah, je ne sais pas d'ailleurs, je dis comme tous les freelances, mais c'est peut-être, je ne sais pas si je peux généraliser, mais en tout cas, moi, j'oscille toujours entre le fait d'avoir trop de travail et de ne pas en avoir assez. Donc, c'est plutôt un équilibre en termes d'équilibre personnel, c'est-à-dire que quand on prospecte beaucoup, on finit par avoir beaucoup de commandes. Et après, il faut être capable de les réaliser sans décevoir les clients. Donc là, par exemple, en ce moment, j'ai énormément de travail. Donc, je fais des très grosses journées, voire je retourne la nuit bosser. Et puis, il y a des moments, pendant 6 mois où j'ai presque pas de travail, donc c'est variable. Mais bon, faut savoir qu'on est un tout petit milieu, le milieu de l'illustration médicale. Quand j'ai commencé, on était peut-être une cinquantaine en France à être illustrateurs médicaux à plein temps. Peut-être que maintenant on est une centaine, mais ça reste vraiment anecdotique. Et donc il y a une demande qui est hyper importante, et on a encore énormément de chirurgiens qui n'arrivent pas à trouver d'illustrateurs et qui donc font appel à des illustrateurs normaux, ce qui n'est pas un problème du tout d'ailleurs, parce que finalement mon travail c'est pas. Enfin, ça peut être fait par n'importe quel illustrateur qui est un peu intéressé par le Par le sujet. sujet, ouais, bien sûr. Tu sais, l'an passé, on avait eu la discussion avec Sylvain Tessier justement sur ce sujet-là, sur le sujet justement de l'illustration médicale. Lui, il était venu avec nous pour une session sur la photographie, photographie D'accord. médicale, où il faisait Ouais, ça j'ai avec vu, des ouais. chirurgiens, chirurgiens plastiques notamment. Ouais. D'ailleurs, je vous remets le lien, ça peut toujours servir. Et justement, il nous disait il y avait aussi des points de vue différents, il y avait des besoins différents en fonction des chirurgiens, en fonction du type d'opération qui était réalisée, et que du coup, bah oui, avoir une culture scientifique, c'était important, mais pas que, il y avait un petit peu l'ensemble. Et lui, il fait de la photo et de l'illustration. Ouais, j'ai vu effectivement sur son Instagram, parce qu'on se
On se suit mutuellement, c'est assez sympa. C'est vrai qu'il fait pas mal d'illustrations. Alors, je pense, je me trompe peut-être, et Sylvain pourra me corriger s'il est là encore, mais Il est là, il est là. que lui, il est plus sur Illustrator, donc c'est rarement des illustrations avec beaucoup de texturing comme moi je fais. Ça n'empêche rien à la qualité de son travail, évidemment. Mais c'est vrai que moi, j'ai le petit défi à chaque fois d'essayer de faire des textures un peu réalistes, mais je mets réaliste vraiment entre guillemets, parce qu'en fait, on n'est jamais dans la réaliste, on est toujours dans le suggestif. Et donc, c'est vrai que dans son cas, ce que j'ai vu, c'est des illustrations avec des aplats de couleurs qui sont des schémas techniques vraiment très intéressants. Et souvent, d'ailleurs, je crois qu'il les anime. Il Ah doit oui, non seulement il fait les illustres, et de mais en plus il les l'animation, anime derrière. Il met les ouais. choses effectivement en aplat pour qu'on comprenne ça. Et il fait le modeste dans le chat en disant, mais j'ai pas le même niveau. Alors qu'il y a vraiment plein Très de trucs. gentil. Merci Sylvain. Au passage, il y a Elmar qui nous disait, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, il y a des hôpitaux qui font des directs sur des opérations. Et il dit, c'est trop cool. Donc ça, à voir, selon les goûts et les couleurs. Et il y a Elka Voilà. qui nous dit qu'elle n'a pas été prise au DSA Illu Scientifique à Estienne et qu'elle se rattrapait sur une formation classique illustration. Est-ce qu'il est D'accord. possible, selon toi, de travailler en scientifique vulgarisation Illu Scientifique sans le DSA ASP? Ah oui, alors pour moi, enfin, je suis personnellement un partisan uniquement du book et les études qu'on a fait, tous mes clients s'en cognent. Il n'y a aucun client qui m'a jamais demandé si j'étais diplômé de l'école Estienne, si j'avais un diplôme en illustration, si j'avais fait des études de médecine. Tout le monde s'en moque. Donc, très clairement, les clients, les seules choses qu'ils regardent, c'est si on a un book avec des illustrations qu'on a déjà faites. Et ça, d'ailleurs, c'est un peu un problème quand on débute. Je dis ça d'ailleurs en connaissance de cause parce que j'ai Il été a fallu débutant débuter. et il a fallu débuter. Et les clients aimeraient toujours que finalement on ait dans notre book déjà l'illustration de ses rêves qui ressemble exactement à ce qu'il veut. C'est ça. Les clients, mais d'ailleurs comme nous, hein, quand on achète une maison ou autre, pour ceux qui ont la chance ou un appartement, on aimerait bien que l'appartement soit décoré exactement comme on avait envie pour se projeter. Et c'est très très difficile de proposer des illustrations qui leur correspondent énormément. Donc moi maintenant, c'est vrai que comme j'ai pas encore 15 ans d'expérience, je suis pas si vieux que ça, je ne suis pas vieux. Mais c'est vrai qu'avec 12-13 années d'expérience en illustration, je commence à avoir beaucoup beaucoup de références. Et donc j'arrive maintenant, par exemple, tiens, je peux te montrer ça. Je me suis fait un petit, comme une espèce de petit book sur mesure, un petit CV sur mesure de choses que je peux pas forcément mettre sur mon site. Et donc j'ai des petits PDF tout prêts d'illustrations. Là par exemple, plein d'illustrations sur le monde supérieur. Donc j'envoie ça à certains clients qui veulent un truc sur la main. Tu vois, j'envoie plein de trucs comme ça. Attends, je dis tu vois, mais en fait je partage pas le bon écran. Excuse-moi. Voilà. Est-ce que Ouais, tu là on vois? est bon, là on a bien Donc bougé. voilà. Donc tu vois, j'ai mon petit habillage graphique que j'ai fait sur InDesign et puis hop, je mets plein d'illustrations que j'ai faites d'anatomie. Voilà. Donc là, je fais défiler vite. Bah tu vois, il y a des choses que j'ai déjà montrées tout à l'heure. Voilà. Donc là, par exemple, on est sur des trucs un peu plus gore avec des opérations. J'allais dire à cœur ouvert, mais c'est pas du tout à cœur ouvert, c'est sur le poignet. Voilà. Donc là, je travaille en ce moment beaucoup avec des chirurgiens à Nantes Qui sont spécialisés sur qui la... sont spécialisés sur tout ce qui est arthrose du poignet et tout. Et alors ça, c'est, j'ai assisté à des opérations l'année dernière. C'était à la fois passionnant et terrifiant parce que on arrive, le patient est complètement réveillé, il se fait anesthésier le bras, évidemment. Et alors là, c'est la blague, on lui enlève un os avec le sourire et le chirurgien continue à parler au patient. Enfin, c'est un truc que je trouve à la fois passionnant et surréaliste. Et donc là, j'étais là, ah ouais, vous lui enlevez l'os là. D'accord. Et puis hop, il rajoute une petite prothèse à la place. Enfin, c'est. Cool. Et puis eux, c'est leur quotidien. C'est-à-dire que pour nous, le commun des mortels, c'est déjà moi, j'ai la chance extraordinaire quand j'assiste à ce genre de choses. C'est vraiment passionnant, mais il faut aimer ça, évidemment. Et eux, c'est leur quotidien. Donc voilà, ils mangent un sandwich autour de midi, hop, ils vont faire une opération l'après-midi. C'est ça. C'est un peu C'est ça, fou. en faisant gaffe à pas se couper pendant qu'ils sont à la pendant la pause déjeuner. À la cafette, ouais. Donc tu vois, Il y a j'ai des petits Laurent trucs comme tout à ça. l'heure qui nous disait est-ce que les illustrations que tu réalises, elles sont destinées principalement pour les chirurgiens ou est-ce que tu les prévois aussi pour des maisons d'édition ou pour des ouvrages médicaux? Ben un peu tout. Un peu tout. Là, tu vois, par exemple, j'ai fait des illustrations un peu
de bonhomme. Donc j'aime bien faire des bonhommes. J'appelle ça la posturologie, mais en fait, je dessine juste des gens. Donc parfois, tu vois, ici, il faut montrer des positions et tout ça. Donc juste pour répondre à la question, je ne sais plus son prénom De Laurent. qui a posé la question, Laurent, voilà, je fais vraiment des illustrations à toutes les personnes qui me demandent d'en faire. Donc je travaille à la fois pour des médecins, des chirurgiens, mais aussi pour des maisons d'édition, D'accord. parfois pour des particuliers, ça dépend vraiment. Tu vois, par exemple, ben là, vous allez voir en vert, mais j'ai fait un bouquin d'anatomie, par exemple, pour Alors les attends, bouge Égyptiens. pas, je vais le mettre en grand. Même s'il est en vert, on voit pas grand-chose. Bah C'est beaucoup moins bien quand t'es en vert, hein. Je sais pas ouais, d'où ça vient cette histoire j'imagine. de caméra. Tiens, coupe ta caméra et remets ta caméra un coup. Ah, Tu sais, t'as le comment on fait bouton ça? arrêter la vidéo et tu Ah remets la ouais. vidéo juste après. On va voir si ça marche. Couper, arrêter la vidéo, ok. Ouais. Et remettre la vidéo. On va voir si on récupère de la couleur. Parce que si ça se trouve, c'est peut-être un... Non, on récupère du vert. C'est très joli ce vert. Donc bah voilà, je fais des bouquins, tu vois, avec plein d'illustres dedans. Donc ça, c'est pour une maison d'édition pour des étudiants qui sont en première année de médecine. J'ai fait des bouquins du style pour les, ça c'est des étudiants. Donc, Manière édition, c'est pour les lycéens, les collégiens. Donc là, D'accord. il y a des dizaines d'illustrateurs différents et il y a beaucoup de photos. Il y a très peu d'illustres à moi, mais en tout cas, il y a des trucs à moi dedans, par exemple. Voilà, ça dépend vraiment des demandes. En ce moment, je travaille beaucoup dans le milieu chirurgical. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est un peu classique dans notre milieu. Et je pense que tous les illustrateurs vivent ça. C'est que plus on fait quelque chose, plus on est demandé pour cette chose. Bien Et donc, sûr. ça finit par nous faire faire que la même chose. Donc, c'est important d'avoir cette. Si on a envie de changer le travail, c'est un petit conseil que je peux donner à ceux qui commencent, c'est qu'il faut essayer de faire de manière personnelle pour soi-même des illustrations dans d'autres domaines, varier les techniques, essayer d'autres choses et étoffer son book avec des nouvelles productions. Qui parfois sont faites soit gratuitement, soit pour soi-même. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des nouveaux clients et faire des nouvelles choses. Parce que sinon, on s'enferme dans un style et on ne demandait plus que pour ça. Ah, tu m'étonnes. Tiens, je veux bien que tu nous remontres juste vite fait les couvertures de tes deux bouquins, parce que figure-toi que j'ai réussi à retrouver la couleur. Oh, alors Ouais, là, et du alors. coup qu'on en reprofite pour de vrai, hein, Donc, voilà. ça, c'est les éditions Manière. C'est un livre Donc ça vraiment tient. que les collégiens et lycéens ont On à était en l'école. terminale, là, celui-ci. Voilà, Ok. terminale, celui-là. Donc, ça, c'était lié aux réformes. Parce que, tu sais, alors ça, c'est un truc qui nous sauve en tant qu'illustrateur scientifique, c'est qu'il y a beaucoup de réformes dans les milieux de l'éducation. Et donc, dès qu'il y a une réforme, il y a un nouveau bouquin. Ouh! Donc, des nouvelles illustrations. Et dans le milieu de la santé, là, c'était un livre d'anatomie que j'ai fait sur la tête Visuel. et le cou, D'accord, en très bien. partenariat avec Sophie Dupont, qui est une neurologue qui officie à la Pitié-Salpêtrière et qui fait un super travail, qui a donc rédigé le texte. Et moi, je me contente de faire les illustrations. Et c'est vrai que ça, c'est un autre truc qui est quand même pratique, c'est que en tant qu'illustrateur, finalement, on reste un artiste. Donc, toutes les illustrations que je fais sont toujours validées scientifiquement par un médecin. Donc, je D'accord, n'ai ouais, c'est. jamais, on va dire, j'ai jamais, je prends jamais de risque en faisant quelque chose. Je ne prends jamais le risque de. De t'électrocuter comme on vient de le voir. Non, alors on l'a pas vu, vas-y. Voilà. Voilà. Hop, on était bien sur les risques. Voilà. Tu vois, par exemple, l'illustration de personnage. Je ne sais plus si j'avais montré. Ah On non, a d'accord. d'autres Ah oui, c'est joli. choses. Il est très bien celui de personnage. Vas-y, vas-y, reste Tu veux que je dessus. remontre? Ah Ouais, ouais. je vais te montrer ça. Ça, c'est l'œil. Alors, personnage, voilà, j'ai fait des petites choses. Ça, c'est des vieux trucs. Tiens, par exemple, tu vois, je reviens toujours un peu à l'anatomie. Là, c'est un mec qui se luxe la rotule. Ça fait mal, hein, quand on voit le truc. Ouais. Donc là, il y a la rotule qui part carrément en dehors du genou. Et donc, le chirurgien voulait montrer ça. Voilà. Là, par contre, c'est des choses beaucoup plus mignonnes qui sont dans les livres de science. Donc là, il n'y a que des illustrations brutes, mais souvent, il y a des légendes avec des vecteurs, des choses comme ça pour apprendre un peu des choses en physique, etc. D'accord. Ouais, donc Voilà. Et t'as oui, là. t'es pas que effectivement, c'est pas que du corporel, etc. C'est pas que du Ouais. scientifique. Là, par exemple, c'est un truc que je bosse de temps en temps pour des agences. Notamment, il y a une agence à Paris qui s'appelle Action d'Éclat et pour laquelle je travaille assez régulièrement. Et là, il y avait un poster sur le pollen pour un médicament, pour un laboratoire. Et donc là, il fallait que je caricature des mini pollens. Donc, elle m'avait envoyé des photos en 3D un peu en gros plan, tu sais, en macroscopique, ou plutôt microscopique. Et puis, je devais inventer des petites mascottes des pollens. Donc, c'était assez marrant à faire. Voilà, donc quand un client me demande ce que je sais faire, bah j'envoie en plus de mon souvent de mon
de ton de portfolio. mon portfolio. J'envoie parfois des illustrations comme ça, un peu plus Ouais, chargées. quand tu sais aussi cibler le client par rapport à peut-être ce que lui ce dont Voilà. lui dispose. Alors, tiens, bouge pas sur Voilà. celle-là parce qu'il y a Yves qui nous dit, est-ce que tu aurais des illustrations d'œil? Je viens de me faire péter les cataractes. Voilà. Et bah, écoute, en voilà une. Donc là, par exemple, c'est un. Ça, c'est ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un travail que j'ai fait quand j'étais étudiant. Pas celui de gauche, mais ceux-là. Donc ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait à l'école Estienne. Et le truc qui était génial, c'est qu'on est allé vraiment dans un bloc chirurgical. On a vu ça. Et il fallait qu'on dessine un petit croquis pendant l'opération. Et puis après, on retournait devant notre poste de travail. Et on devait mettre au propre ce qu'on a vu. Donc c'était à la fois hyper gore et hyper intéressant. Et les chirurgiens sont hyper sympas. Ils nous accueillent. Enfin, Ouais, c'est puis les. pour eux, ça doit permettre effectivement de partager la connaissance, partager toute la partie savoir dessus. Ben là, par exemple, ça, c'est un travail qui a été fait par Charlène Le Tonnant, dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on avait fait ce projet ensemble. Ça date maintenant D'accord. d'il y a 15 ans, mais voilà. Puis ça, par contre, c'est des choses que j'ai faites moi-même plus récemment. Voilà, donc il y a toujours un petit peu d'œil, quelques légendes. Voilà, ça, c'était pour les. Je crois que c'était pour les éditions Manière, justement, le livre pour les enfants. Donc parfois, il y a des choses quand même un peu pointues, hein, même pour les ados, on fait des choses comme ça. Il y a Ed Mathieu qui nous demande, est-ce que tes illustrations sont toujours d'après photo pour respecter les proportions du corps, ou est-ce que c'est ta maîtrise du croquis qui te permet de les réaliser? Alors, bah c'est encore une excellente question. Bah non, justement, on fait pas d'après photo, très très peu, très rarement. Parfois pour avoir récupéré des textures et tout. Mais enfin, non, je dis une bêtise pour les illustrations de posturologie. Oui, je fais d'après photo. Par exemple, je peux montrer les illustrations dont je te parlais tout à l'heure. On avait dit quoi? ALG, voilà. Donc ici, par exemple, j'ai fait des illustrations pour un enseignant en activité physique. Donc là, c'est simple, je vais dans mon jardin avec lui, je le prends en photo et après je redessine sur la photo et on essaye de nettoyer la photo pour faire un travail qui soit graphiquement le plus homogène possible et enlever évidemment tout le décor et les superflus parce que quand on prend des photos, ben, il y a toujours ce risque d'avoir un décor qui est pas très beau. Mais en revanche, pour tout ce qui est illustration d'anatomie, plus précise avec des structures anatomiques, là c'est un travail de faussaire hein, qu'on fait. Donc je peux montrer à l'écran, en gros on se sert des illustrations de nos aînés. Donc là j'ai beaucoup de livres d'anatomie chez moi. Et personnellement, ce que je fais, c'est que je fais un gros travail de copier-coller d'illustrations existantes, D'accord. mais je récupère on va dire, chaque illustrateur a une manière différente de dessiner la même zone, et donc j'essaye de faire un recoupement d'informations pour avoir l'information la plus typique. Celle qui correspond le mieux à Ouais, ce dont toi t'as besoin. exactement. Par exemple, ici, un illustrateur qui est extrêmement connu dans le milieu de la médecine et de l'anatomie, c'est Frank Netter, qui est Ouais. notre Jedi à tous. Frank Netter, pour le coup, ça répond aussi à une autre question d'un précédent auditeur, c'était un médecin qui est devenu Qui est illustrateur devenu médical. artiste. Ouais. Et donc lui, voilà, il fait une illustration sur l'épaule qui ressemble à ça. Et puis ben, un autre, Claire, lui, une illustration de l'épaule qui est exactement la même zone, mais qui ressemble à ça. Et donc, bah moi, je vais aller après regarder tout ça, analyser et essayer de Et trouver faire un mix des deux. ouais, exactement, et trouver la forme qui est la meilleure. Et puis, évidemment, après, je montre ça au chirurgien. Le chirurgien me dit, bah non, moi, quand je regarde, enfin, quand je vois mes patients, ils sont plutôt comme ça, comme ça. Parfois, j'ai des photos, parfois, j'ai des croquis des clients. Donc, voilà. On fait un mix de tout ça pour essayer de faire le truc le mieux possible, sans évidemment plagier les choses qu'on a vues. Hein. Personnellement, c'est un point d'honneur à jamais copier telle quelle une Non, illustration. bien sûr, Je la il personnalise toujours et j'ai toujours ma patte graphique, ce qui fait que ça ressemble jamais au final à ce qui existe déjà. y a... Carrément. Il y a Nelly qui nous dit, elle a travaillé dans une maison d'édition scolaire et on lui faisait reprendre certaines illustrations pour qu'elles soient chartées. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à ça et est-ce que c'est toléré en tant qu'illustrateur scientifique, qui est une reprise, ouais. J'ai jamais été confronté à ce cas-là. Mais en revanche, par exemple, je travaille pour l'EMC de temps en temps, même si là, ça fait un moment qu'ils ne m'ont pas contacté. Donc l'EMC, c'est l'Encyclopédie médicale et chirurgicale. D'accord. Et c'est un truc qui est une référence dans le milieu La on va dire chirurgie. le milieu de la chirurgie et de la santé en général. Donc c'est des articles scientifiques, hein, vraiment, qui sont publiés et où on est, je pense, une quinzaine d'illustrateurs à faire de temps en temps des illustrations. Et par exemple, pour pouvoir avoir
une cohérence graphique dans leur publication, ils nous fournissent une charte. Donc, on sait que le muscle doit être de telle couleur, les os doivent être de telle couleur, et on est obligé de suivre. Ça paraît logique, hein, moi je trouve ça bien. Ça nous permet aussi de ne pas être hésitant, et on gagne du temps, puisqu'on sait qu'on n'a pas le choix de la couleur. Tu ne vas pas avoir à réfléchir et à te demander, tiens, est-ce que je le mets de telle ou telle couleur? C'est plus simple. Après, copier des illustrations existantes, je vois pas l'intérêt dans ce cas-là si elles existent déjà. Non, mais je pense que c'était vraiment ça demande. Hein, c'était vraiment ça. Reprendre les illustrations pour la charte, donc des questions, je suppose, de micro, de couleur, etc. Ça doit vraiment être. Par exemple, il y a un cas d'école qui est assez intéressant. C'est il y a un professeur de médecine à Poitiers, qui est extrêmement connu dans le milieu des étudiants en médecine, qui s'appelle Pierre Camina. Et ce professeur, il a fait des livres d'anatomie, donc qui s'appelle Le Camina, évidemment. Et ces livres d'anatomie-là, ils sont extrêmement suivis. Et au départ, il faisait toutes ces illustrations lui-même. Et puis un jour, il y a eu des éditions qui ont été refaites. Et comme ces illustrations, elles étaient très intéressantes sur le plan anatomique, mais qu'en termes artistiques, c'était un peu plus léger, parce qu'il n'est pas illustrateur, il est professeur de médecine. Eh bien, il y a un illustrateur que je connais un petit peu, qui s'appelle Cyril Martinet, qui est une sommité aussi dans le milieu de l'illustration médicale, qui a eu pour mission de refaire intégralement toutes les illustrations de Camina, mais en respectant exactement les tracés. Donc, en fait, il décalquait, mais en modernisant le rendu graphique. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Moi, on me demande parfois, effectivement, de moderniser des illustrations avec le même fond anatomique, mais juste on modernise. Ça, c'est possible, effectivement. Carrément. Mais c'est pas un problème. Oui, quand on s'est parlé au niveau de la préparation, moi je te disais, en illustration scientifique, j'y connais pas forcément grand-chose, mais ma référence à moi, et là où j'allais piocher, c'était le bouquin de Gray, Henri Gray, qui est disponible intégralement en ligne chez Bartleby, et je trouvais ça tellement génial, Anatomy of the Human Body, pour ceux qui sont curieux, c'est une pure tuerie. Donc, mais ça reste des illustrations type gravure un peu, donc c'est intéressant, c'est du noir et blanc. Alors, il y a de la couleur, je crois. Il y a de la couleur sur certaines planches. Mais c'est des aplats, quoi. On dirait que ça a été fait un peu à l'aquarelle sur une gravure. Et puis ça date de 1918. Donc, c'est magnifique, et pareil, le Gray, il a été entièrement redessiné. Alors pour le coup, il n'a pas été du tout décalqué. Les illustrateurs qui ont refait le Gray's Anatomy, eux, ils ont carrément recréé toutes les illustrations, et en fait, il a été entièrement réécrit. Donc il n'a de Gray plus que le nom, et je pense qu'il n'y a quasiment plus rien du produit original. Mais en tout cas, si vous cherchez Et d'ailleurs, petite anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que le Frank Netter, qui est un médecin donc, qui est décédé maintenant depuis un paquet de temps, le Netter est toujours remis à jour régulièrement, il y a des nouvelles éditions. Et donc, ils ont trouvé un illustrateur, dont le nom est Macado, je crois, en tout cas, c'est signé M-A-C-H-A-D-O. C'est un illustrateur qui reprend le style graphique de Frank Netter pour que le livre puisse être réédité avec de nouvelles planches, mais c'est pas le même illustrateur. Et c'est un petit jeu qui est assez drôle en tant qu'illustrateur pour nous, quand on connaît un peu le Netter, c'est de deviner quelle est l'illustration qui est vraiment de Netter et quelle est celle de Macado, parce que le gars, il suit hyper bien le style de Netter, c'est assez marrant. C'est Carlos Macado. Carlos Macado, tu vois. Carlos fort Macado, en recherche. Donc il est médecin en plus. Ah bah écoute, il est hyper fort en illustration, c'est incroyable ce qu'il fait. Il est cardiologue. D'accord, bah tu vois, tu m'apprends, tu me l'apprends. C'est Internet, hein, c'est pas moi, je sais pas parler. Merci Internet. Alors vas-y, on retourne sur ton écran. Ouais, je peux repartager d'autres choses si tu veux sur mon Behance. Voilà, ça c'est un projet que, par exemple, je travaille de manière très régulière depuis maintenant 4-5 ans avec le docteur Trévidic, qui est un chirurgien esthétique, qui travaille majoritairement sur il fait que de la chirurgie esthétique, il travaille beaucoup sur le visage et sur les mains, notamment. Je crois qu'il fait un petit peu aussi de plastie mammaire, un petit peu. Et donc, mais pour le coup, j'ai jamais eu ça à dessiner. Donc lui, il s'occupe vraiment exclusivement du visage dans les illustrations qu'il me demande de faire. Et donc là, l'idée, c'était de montrer une femme avec un visage un peu vieillissant. Donc, je ne saurais pas dire l'âge, mais je crois que c'était entre 40 et 50 ans, plutôt 50 peut-être. Et on montrait un petit peu les zones graisseuses principales, ce qu'on appelle les compartiments graisseux. Et donc, il y a des compartiments graisseux superficiels qui sont là, c'est la même illustration, mais avec une version où on met en couleur vraiment les zones spécifiques. Pour pouvoir les identifier. Exactement. Les nommer. Et il y a des versions légendées, évidemment. Et puis, là, c'est des compartiments graisseux profonds. Donc, tu vois, on épluche aussi la même illustration, je l'épluche avec tous les calques dans Photoshop au fur et à mesure. C'est passionnant à faire, c'est aussi un peu compliqué. Et là, par exemple, pour ce client-là, j'ai
J'ai utilisé un style graphique où je suis parti en fait de plein de portraits de femmes vues de trois quarts et j'essaye de faire un mix, on va dire, du portrait le plus représentatif de ce que le client veut montrer. Donc c'est finalement une femme qui n'existe pas, hein, je suis pas parti d'une photo unique et l'idée ça a été de la modifier, de l'adapter, de créer les os en arrière-plan, etc. et puis de mettre tous les muscles par-dessus. Et donc là j'ai plusieurs médecins qui m'aident pour ça, qui me donnent des conseils et il y a beaucoup d'allers-retours. Puisque souvent le médecin nous dit, ah, elle est super belle ton illustration. Par contre, il faudrait juste que tu changes ça, 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 et ça, et ça, et ça. Donc parfois, juste pour faire un fond anatomique, il me faut une semaine. Donc c'est très long. Ouais, bah c'est effectivement, mais au moins ça a le mérite certes d'être long, mais au moins d'être précis et d'être On validé, tu vois, il n'y a essaye, pas on de. essaye. Ouais. Et puis bah, dans ce cas précis, c'est assez drôle parce que cette illustration-là, elle est utilisée par le client qui fait de la. Comment on dit, du Chirurgie plastique. e-learning, un petit peu, Ah, du e-learning. Et donc là, il a fallu que je crée un storyboard, puisque je travaille avec un animateur qui s'appelle Florent Bonnevial. Et vous pouvez aller voir son travail sur Black Dog Day Studio. Je fais la petite pub pour Florent, en passant. Et donc, Florent, il fait l'animation des illustrations que je fais. Donc, il fait du After Effects là-dessus. Je lui donne les fichiers Photoshop tout propre. Et puis, il fait tout ça. Et donc là, l'idée, c'était de faire une animation où on montre un peu les différentes. Là, j'ai juste mis deux, trois pages de du storyboard. Et tu vois, donc il y a tout un petit truc qui s'anime sur le côté. On a des injections. Je montre des vues en coupe et tout. C'est hyper pointu. C'est hyper passionnant aussi. Voilà. Donc, je prépare aussi je fais pas moi-même de l'animation, mais je prépare des fichiers pour de l'animation. Donc, c'est très important aussi de faire un travail extrêmement précis au niveau des calques et de la gestion des groupes pour que les gens avec qui je travaille se retrouvent bien derrière dans la gestion des fichiers que je leur envoie. Hein. Donc, ça, c'est un truc que je dis souvent. Il faut faire très attention sur Photoshop, pas juste avoir un gros calque et puis de bouser dessus. Hein. Tu fais pas de la peinture artistique pour toi, tu t'avances. Ouais, c'est vrai que même quand c'est pour moi, je perds beaucoup de temps peut-être, mais où je prends beaucoup de temps à nommer chaque calque, chaque machin, parce qu'en plus, ça m'arrive assez régulièrement quand même de reprendre des illustrations que j'ai fait il y a un moment, qui sont remises à jour par le client. Donc, je retourne dessus et puis il faut se rappeler de ce qu'on a fait. Donc, dans ce cas-là, quand on a bien nommé le calque, c'est plus facile. Tu m'étonnes. Ouais, c'est clair que c'est. Et c'est marrant parce que vous avez tous la même problématique. Hier, on recevait Lise Marthegood sur une session justement animation pure. Et sur l'animation, elle disait, mais moi-même, pour des projets perso d'illustration, j'ai tous les calques, j'ai tous les masques. Je sais que je peux revenir, je peux rééditer, remodifier au fur et à mesure. Ce qui est effectivement pas mal de. Ouais, carrément. Alors, sinon, voilà, il y a parfois des projets où je suis un mix entre de l'anatomie et de la posturologie. Donc là, ce projet était intéressant puisque c'était un travail sur les problèmes de mal de dos. Donc, on avait un peu d'anatomie comme ça où on montrait comment ça se passait la respiration, avec la poitrine qui se gonfle, le muscle de la respiration principale qui est le diaphragme qui se tend quand on inspire et qui se détend quand on expire. Et puis, ça joue beaucoup avec les abdominaux également. Là, une petite vue de face avec tous les muscles et toutes les couches des abdominaux. Et puis, ben, après, carrément, on montre des muscles du dos et on montre des positions plus ou moins confortables. Voilà. C'est marrant de voir justement ces couches, ces épaisseurs et tout. Je serais assez intéressé que tu nous détailles un petit peu la manière dont tu fais ça, parce que je pense qu'il y en a un peu dans tous les, sinon dans tous les sens, mais dans tout le, enfin il y a plusieurs manières de gérer ça. Et Ouais, attends, je vais t'ouvrir un fichier t'as si un tu veux pour te fichier? montrer. Montrer par exemple, justement, bah, sur ce truc de posturologie, il faudrait que. Ça, évidemment, je ne l'ai pas préparé parce que je suis idiot. Alors, c'est pas obligé de partir sur la posturologie, hein. Celui que tu avais sur l'épaule tout à l'heure était très bien aussi, hein. Ouais, attends, je vais juste quand même te montrer ça parce que celui-là, il est particulièrement intéressant. Hop. Alors, on peut partir sur l'épaule, mais puisqu'on était à la posturologie. Il y a un lien, je ne sais pas ce que L'envers, c'est. peut-être. Donc là, tu vois, là, j'avais travaillé. Donc j'essaie souvent d'avoir une résolution assez importante parce que ça permet de faire plus de détails. Là, j'avais pu réutiliser une partie des illustrations que j'avais faites pour un atlas d'anatomie. Donc tu vois, l'idée, c'était de récupérer uniquement le rachis parce que c'est extrêmement long à dessiner. Donc quand on en a fait un, on aime bien le réutiliser au maximum. Et puis au niveau des calques, donc il y a les légendes, les flèches qui sont ici. Tu vois que pour donner l'illusion de la transparence, j'ai un petit masque de fusion qui permet de l'opacité pas à 100%, mais ça permet de montrer que la flèche passe à l'intérieur du nez et dans la bouche et suit le conduit de la trachée jusqu'au poumon. Et puis au niveau des calques, après,
Au niveau des calques, j'ai plusieurs. Souvent, je travaille des groupes, parfois même avec des codes couleurs. Donc là, par exemple, le diaphragme, souvent les muscles sont en orange. Ah, je me suis trompé, évidemment. Ah, bravo. Voilà, bien joué. Orange, c'est bon. Donc le muscle diaphragme, là, par exemple, il est fait en pas mal de couches différentes. Il y a l'arrière-plan que je vais enlever. Les os sont là, c'est bon. Tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai un arrière-plan? Oh, il est sur calque. Ah, repère muscle. Non, tu vois, parfois je fais un calque avec mes repères. Ah, okay. Et hop, il était affiché. Je le mets en fait, ça me permet en fait d'aller. Je fais des copier-coller depuis Illustrator de tous mes tracés d'un coup, que je mets dans un gros bloc, dans un calque. Je baisse l'opacité du calque et ça me permet ça après d'importer les tracés un par un, mais d'avoir pile poil les calages. Ouais, donc là, d'être sûr que si jamais t'en décales un, tu sais le remettre exactement au bon endroit. Exactement. Et donc là, le tracé du diaphragme, il y a le tracé qui est juste ça. C'est pas compliqué. Non, en fait, je l'appelais tracé, mais j'aurais dû l'appeler coupe, celui-là. Tu vois, je le renomme pendant que j'y suis. Donc là, j'ai la coupe, j'ai le tracé, et puis j'ai fait la colo, qui souvent est, qui est homogène, qui est en une couleur, et j'ai rajouté un calque en plus qui est en masque d'écrétage et qui permet de faire l'illusion d'un tendon. Même si là, le style graphique, tu vois, est très lisse, très propre, j'ai pas du tout été dans le détail de la fibre et de la structure. Alors qu'il m'arrive d'aller beaucoup plus dans le détail. Donc voilà, par exemple, pour ce cas particulier, un seul muscle, il y a quand même quatre calques. Oui, parce que mais ça te permet de le garder éditable, ça te permet d'en changer les couleurs si tu en as besoin, et puis de l'améliorer au fur et à mesure. J'ai un message de Maël Jubeau qui nous dit, juste au passage, préciser que Charles est également un excellent professeur de la part des COM2 de l'ESUP. Ah bah dis donc, merci beaucoup Maël. Alors Maël, normalement t'es en cours, qu'est-ce que tu fais sur le chat? Quel scandale. Il a dit juste de passage, peut-être que c'est la pause. Ça doit être ça, ça doit être la pause. C'est vraiment très gentil de sa part. Ah oui, parce que c'est vrai que je suis enseignant le lundi après-midi et le mardi toute la journée, et c'est vrai que c'est assez sympa de partager justement ces connaissances sur les logiciels. C'est un truc qui est assez sympa. Ouais, donc là, par exemple... Les élèves peuvent en profiter justement et avoir du coup une version enregistrée de tes cours. C'est pas mal. Oui, j'ai pas encore fait ça. Mais je vois de plus en plus de graphistes qui font des chaînes YouTube. Je trouve ça génial. Je regarde ça de temps en temps. Notamment, il y en a un qui est... je sais pas, il y en a sûrement, tu dois connaître ça bien mieux que moi. Il y en a un qui monte pas mal en ce moment. C'est un petit belge là, qui s'appelle Ballot Prisonnier, qui est peut-être passé d'ailleurs sur Adobe Live, non? Connais ou pas? Oui, alors je connais, mais il n'est pas encore passé. D'accord. Et c'est très rigolo, ce partage d'expérience et tout. Et je trouve ça vraiment sympa, ces histoires-là. Et d'ailleurs, il est bien suivi. Et je me dis, ouais, c'est incroyable que le graphisme intéresse d'autres gens, en fait. C'est plutôt cool. Donc voilà, par exemple, tu me demandais mes process. Ben, voilà un autre, cette histoire d'épaule dans trois quarts que j'ai montré tout à l'heure. Bon, ça, je la montre, elle est vraiment toute fraîche, mais il y en a des beaucoup plus jolies, beaucoup plus détaillées. Donc là, j'ai un code couleur qui est assez précis maintenant. Je commence à le faire de plus en plus sur mes groupes. Donc tout ce qui est muscle, c'est en orange. Tout ce qui est capsule articulaire, qui est donc une espèce de membrane qui entoure toutes les articulations et qui est remplie de liquide et qui permet à l'épaule toutes les articulations de glisser plus facilement. Donc tout ce qui est capsule, on le fait souvent en vert, alors que encore une fois, la capsule, c'est une membrane qui est juste un peu translucide, qui est pas du tout, qui a pas de couleur. Là, j'ai fait une autre structure qui permet de faire des glissements, qui s'appelle une bourse articulaire. Des bourses articulaires, on en a plein partout et permettent justement souvent, quand on a un os qui est près d'un autre os, c'est comme un petit coussin qui permet aux deux os de glisser l'un sur l'autre sans se frotter, sans faire mal. Et puis tout ce qui est os, je le fais en jaune. Même si un os c'est pas jaune, en fait c'est plutôt gris blanchâtre. Moi je le dessine en jaune. Voilà. Alors j'ai un petit message de Frédéric qui demande un conseil pour un bouquin d'anatomie pour artistes. Fred, c'est un illustrateur, un auteur des derniers Torgal. Et il était venu avec nous montrer comment il dessinait Torgal en ce moment. Waouh! Et ouais. Mais normalement, il a les je savais pas que... fin d'album. Parce que Rosinski, il a arrêté Torgal. Il est vieux, Rosinski, la BD, tu sais, c'est de 7 à 77 ans. Donc, de passer 77 ans, tu fais une pause. D'accord, mais je savais pas que Torgal continuait avec un autre illustrateur. Je savais pour des gars comme Astérix ou Lucky Luke, mais je savais pas pour.
Je ne savais pas pour Torgal que ça Ben alors, continue. je te recommande la session avec Fred où il a expliqué justement tout le temps de passation parce qu'il avait travaillé sur Chris de Valnor avant. Il a fait D'accord, plein. Alors, incroyable. pour lui, il était aussi beaucoup sur l'illustration historique, de la BD historique. D'accord. Donc, il y avait tout cet univers-là. Mais du coup, il cherche donc un bouquin d'anatomie pour artistes. Alors, on a parlé du Grey tout à l'heure. Tu as parlé du Nether. Est-ce que tu Alors le es. Nether, c'est vraiment pour la... Moi, le problème, c'est que j'ai très peu de connaissances artistiques, en fait. Hein. Moi, je connais des trucs de médecine. Donc tous les bouquins que j'utilise dans mes références, c'est des livres qui servent pour les étudiants en médecine qui apprennent D'accord, l'anatomie. ouais. Et donc en livre d'anatomie artistique, moi, je suis un mec qui... Enfin, je suis pas, mais j'ai quelques livres de lui qui s'appellent Bjørn Hogarth. Je sais pas D'accord. si je le prononce bien. Ça s'écrit Bjørn, c'est classe. Et donc c'est Bjørn Hogarth. Et il fait des livres d'anatomie artistique assez impressionnants. C'est un grand médecin, enfin, c'est pas un médecin d'ailleurs, c'est un grand illustrateur américain qui a été connu à une époque et peut-être un peu moins. Donc j'ai des bouquins de lui, mais en anatomie artistique, je sèche. J'avoue que j'ai pas de, en fait, j'ai Oui, pas de alors référence. après, je suppose qu'il va chercher de la ref anatomique pour pouvoir, lui, derrière, se l'approprier et pas dessiner n'importe quoi dans tous les sens. Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus le truc qui est un petit peu étonnant, c'est qu'on apprend l'anatomie dans une position qui est absolument pas naturelle, où le personnage est tout rigide comme ça, avec les mains le long du corps comme ça, et c'est un truc qui est pas du tout naturel. Et donc souvent les livres d'anatomie que j'utilise ne me permettent pas de dessiner des gens, en fait. Ça me permet de dessiner des opérations chirurgicales en gros plan, mais pas du tout des bonhommes en ensemble. Donc tu vois, Ouais, puis le moi. même ouvrage de, enfin le même document que j'ai fait sur la posturologie, finalement, je suis amené à dessiner des gens comme ça. Et tu vois, par exemple, c'est assez drôle de voir l'évolution. Cette illustration-là que j'ai soumise au client pour une femme qui est dans une position trop voûtée devant son ordinateur, eh bien, le client n'aimait pas les codes couleurs, donc m'a demandé de la rendre un peu plus pétillante. Alors souvent, plus pétillante, c'est mettre du rose. Hein. C'est un peu... Ça Bon. pétille, tout ça, Ça me rend un peu dingue, mais bon, voilà. Et puis finalement, il trouvait que sa coupe de cheveux était ringarde, donc c'est OK. Donc voilà, elle avait trop de bide ou un truc comme ça, donc il a fallu lui faire le. Enfin voilà. Et donc au final, on se retrouve avec un peu une caricature de personnage. Et puis voilà, j'avais encore amélioré quelques petites choses. Donc tu vois, il y a plusieurs itérations de la même illustration où on voit l'évolution graphique en fonction des retours du client. Donc parfois, je garde comme ça les vieilles versions, je trouve ça rigolo. Et donc il y a la version, je m'assieds bien, je m'assieds pas bien. Je m'assieds Ouais. bien, je m'assieds pas bien. Ah oui, Voilà. on Et sent là, tu vois, par les exemple, efforts. là, d'après photo, je fais un petit croquis rapide, et puis après, la colo, ça donne ça. Alors, il y a Nelly qui nous dit un bouquin qu'on utilisait pas mal à Emile Cole, c'était le grand cours d'anatomie artistique chez Taschen, qui Oui, propose tout à Orne et fait. Et je Hannibal. l'ai. Je l'ai pour le coup, effectivement. Oui, c'est de l'anatomie comparée. Ouais. Il y a des hommes et des animaux. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est très beau, c'est hyper bien fait, c'est au crayon papier, c'est magnifique. C'est vrai que je m'en sers peu parce que finalement, en termes de légende et tout, c'est pas du tout adapté pour moi, pour Ouais, mon pour tes activité besoins. personnelle. Et après, c'est pareil, il y a peu de positions, il y a peu de. Ce qui est intéressant, je trouve, dans l'anatomie artistique, c'est d'avoir des personnages en mouvement. Et dans les livres d'anatomie, il n'y a pas de mouvement, donc c'est peu compatible en fait. Les deux sont un peu séparés. Ouais, moi je me rappelle aussi de hors anatomie, justement, il y avait la partie morphologie. Je sais que Agnès Maupré avait fait les cours de Jean-François Debord de D'accord. morphologie aux Beaux-Arts et où elle avait repris justement tout ça avec un côté extrêmement dansant, extrêmement C'est vivant du génial ça. truc et chaque muscle, chaque détail était dedans. C'était assez cool aussi. Ouais. Bah ça, c'est la chance que j'ai eue aussi en tant qu'étudiant. C'est que pour le coup, moi, j'avais suivi le cours de Philippe Comard aux Beaux-Arts de Paris, qui est, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il est une sommité dans son milieu. Et on avait la chance qu'il sorte de son bureau des Beaux-Arts, parce que les Beaux-Arts, c'est quand même un truc impressionnant. Il a pu nous faire visiter, c'est incroyable, c'est un musée à lui tout seul, son bureau. Et il sortait de son bureau, il sortait de son amphithéâtre pour venir nous donner des cours à l'école Estienne. On n'était donc que 7 à être présents. Et le prof venait avec souvent deux modèles en même temps. Enfin, c'était une hérésie en termes financiers, mais on avait cette chance incroyable. Et donc, on avait deux modèles, souvent un homme et une femme, qui posaient en même temps pour nous faire dessiner pour 7 personnes. D'accord, ouais. Voilà, et donc ça, c'était génial. Et pour le coup, il travaillait énormément avec le mouvement, avec des craies sur un tableau noir avec plein de couleurs. Et c'était un des meilleurs cours que j'ai fait. Et c'était de l'anatomie, mais
uniquement basé sur la morphologie du corps. Et on a eu notamment une des modèles qui est venue une fois enceinte aussi. Enfin, c'était fou. Classe. C'était incroyable. Mmh. Voilà, je ne sais pas si je peux partager d'autres choses. Écoute, enfin, oui, si, l'un des projets dont je suis plus fier, c'est le... Même si là, j'ai mis un gros filigrane dégueulasse, je ne mets plus ça maintenant, le filigrane, parce que c'est... Je trouve que ça sert à rien en fait de protéger ces images. De toute façon, tes images ont déjà été plus ou moins achetées par tes clients et tout ça. Ouais. Bah après, on sait qu'il y a un vol un peu éhonté sur Internet des images qui traînent. Beaucoup de gens pensent que parce que c'est sur Internet, c'est gratuit. Donc c'est vrai qu'en tant qu'illustrateur, on aime bien pouvoir un peu protéger ces illustrations. Moi, je pense que mes illustrations ont été sûrement dans pas mal de cas. Utilisé dans des documents et puis ben, j'arrive pas à le voir et puis j'ai pas le temps d'aller vérifier qu'on utilise bien mes illustrations pour le prix qu'elles ont été payées. Bon, c'est vraiment pas grave, on a d'autres chats à fouetter que faire les policiers sur Internet. Donc voilà, ça c'est une illustration que j'ai faite pour un ouvrage d'anatomie qui était un énorme boulot qui m'a pris un an de ma vie au début de mon activité. Et alors ça, c'était des fichiers énormes. J'avais fait du 600 dpi, des images qui faisaient plusieurs gigas chacune. Et là, il y a chaque calque peut être enlevé et on peut éplucher intégralement ce truc d'anatomie. Donc tu vois, ça c'est le même fond d'illustration avec ou sans les organes, avec certains organes mis en couleur, d'autres en noir et blanc pour bien séparer tout. Donc, c'était un travail énorme qui a été passionnant et ça a été un bouquin édité aux éditions Ellipse. De 300 pages avec les 300 illustres, enfin, c'était pas mélangé. Ils te l'ont pas imprimé genre sur des calques transparents comme on fait dans les livres pour enfants? Ah ouais, ça aurait été génial. Ça aurait été un énorme boulot aussi. C'est chouette. Ça aurait été un énorme boulot, mais non, ça n'a pas été fait comme ça. Mais en fait, les éditions Ellipse, c'est des éditeurs indépendants qui sont assez drôles parce qu'en fait, ils nous font entièrement confiance. Moi, j'ai signé un contrat, ils n'ont jamais rien vérifié de mon travail, j'aurais pu mettre des grosses bêtises. Et même s'il y avait un médecin évidemment qui avait fait le texte et qui surveillait les illustrations, mais il y avait une confiance totale. Ils m'ont même payé pour faire la mise en page du bouquin alors que j'avais jamais fait de bouquin de ma vie. Donc j'ai découvert la gestion des sommaires sur InDesign et tout. Enfin, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou ce projet. Écoute, tu seras j'étais bien trop jeune pour faire ça. Pour les InDesign User Group plus tard quand on en fera. Voilà, donc sinon des illustrations que je fais régulièrement pour des chirurgiens. Voilà, donc là on montre l'arthrose du poignet. Donc rien que de le voir, ça fait mal. L'arthrose du pouce. Et alors ça, pareil, quand tu es dans ton Illustrator et dans ton Photoshop, tu colles les fichiers Illustrator dans le Photoshop pour pouvoir retravailler dessus. Ouais, carrément. Alors là, je crois que tu vois, là j'ai fait exprès, j'ai pas de contour. C'était un choix délibéré. Donc par exemple, pour ce cas-là, si j'y vais... Attends, je vais fouiller très vite fait. Je laisse l'illustration en avant en attendant. Donc là, l'idée, c'était pour le coup de servir d'un outil que tu connais bien, toi, qui est le masque vectoriel, que j'utilise maintenant de manière un peu courante, mais ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Et alors, je vais retrouver dans Chirurgien Institut de la main. Et par exemple, sur cette illustration-là, on va voir rhizarthrose du pouce. Tiens, est-ce que c'est bien ça ou pas? Regardons. Bah, tiens, voilà. Bon, à la base, ils voulaient que je mette un petit fond texturé avec leur logo, puis ils se sont rendus compte que c'était très moche et que c'était impossible d'en faire quelque chose de bien, donc on l'enlève. Et donc, bah, tiens, typiquement, tu vois, donc là, il n'y a pas de contour pour ce cas-là. Je peux aller assez loin dans le zoom. Et voilà, les os sont sur un grand groupe. Et donc, c'était une ancienne version avant de faire un masque vectoriel. Je faisais comme ça. Je faisais d'abord un truc en aplat, en vectoriel. Ouais. Je rajoutais dessus la colo générale. Tu vois, c'est un peu bousé quand on regarde. Et je rajoutais le cartilage. Et maintenant, j'ai vraiment fait évoluer ma technique. Ça, c'est venu avec les améliorations successives et surtout le fait que je découvre des nouvelles fonctionnalités. Et donc maintenant, je fais plutôt des masques vectoriels. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Il y a Greg qui nous dit la composition de calque, ce serait dans Photoshop, ce serait vachement pertinent pour tes illustrations. C'est-à-dire? Alors tu sais, c'est comme tu passes beaucoup de temps à afficher et masquer différents calques au fur et à mesure, les compositions de calque, en fait, c'est une manière dans Photoshop de poser les éléments et de les d'afficher, de choisir. Tu vas dire, bah tiens, là c'est la version avec que les os.
Là, c'est la version avec les os plus les muscles. Là, c'est la version avec les os, les muscles et du fonctionnel, etc. Ouais, Et il va du d'accord. coup t'afficher, te masquer 15 calques d'un coup, même pas successifs et tout Ah, ça. ouais, c'est vrai que j'ai pas trop fait attention à ça. Donc là, maintenant, ça, c'est une autre illustration un peu différente. Donc ça, c'est une opération chirurgicale très, très précise. Donc là, par exemple, eh ben, très bien, tu vois, on voit des masques vectoriels qui commencent à apparaître. Même si là, est-ce que celui-là, c'est le bon? Oui, parce que alors tes masques vectoriels, à l'époque, on les voyait, ils étaient présents à l'extérieur des fichiers, et maintenant ils sont juste représentés. C'est-à-dire que c'est la petite icône que tu as dans le coin de tes calques. Exactement. Ouais. Alors, est-ce que là, j'en vois beaucoup? Pas tant que ça, finalement, dans celui-là. Vois, c'est marrant d'ailleurs que sur le fichier en question, tu aies une partie de calque qui soit très clairement du masque vectoriel à l'ancienne, avec Ouais. la deuxième le fond gris là qu'on voit, Ouais, et une celui-là, par partie exemple. des calques un peu plus bas où tu avais du masque vectoriel qui est juste représenté. Le forme 1 copie, c'est aussi un calque de couleur unie avec un masque vectoriel par exemple. Ah ouais, tout à fait. Bah, il y Ouais. a un peu des deux, quoi. J'utilise soit Non mais c'est juste que, enfin le... moi ce qui m'étonne en fait c'est que celui avec le fond gris, c'est la Ouais. version historique, et celui avec la petite icône, c'est la version plus récente. Mais Entre ces si deux-là, tu veux dire? non, entre celui-ci et celui Ah, juste après, celui-là. ouais, cartilage et forme 1 copie, c'est exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un Ouais. calque vectoriel. C'est la première fois que je vois ça Non dans Photoshop. Ouais, c'est étonnant parce mais. que C'est parce j'ai. qu'en fait, moi, de temps en temps, soit je dessine directement un truc, tu vois, je vais me mettre sur un nouveau calque, soit je dessine directement avec la. Je me mets en mode forme. Donc là, j'ai mon truc en aplat. Et en fait, ce que je fais maintenant de plus en plus, c'est que je vais, avec l'outil de sélection noire, copier cette forme. Enfin, moi, je fais. CTRL-C, et je me mets sur un calque, et là, avec CTRL-V, poum, ça l'applique sur mon calque. Et là, je fais beaucoup comme ça maintenant, et ce qui fait que j'essaie de limiter le nombre de calques, et je transforme une forme sur laquelle j'appliquerai une texture en écrêtage. Et bien, au lieu de faire ça, maintenant, je préfère mettre directement ma texture dans le calque, et finalement, définir ma forme par le masque vectoriel. Et ça, c'est un truc que j'ai fait évoluer, parce que j'en avais marre d'avoir trop de calques, ça me saoulait, donc je préfère avoir plusieurs masques sur un calque que trop de calques. Bon, je pense que ça revient exactement au même, hein, c'est juste un petit changement de fonctionnement. Ouais, carrément. Voilà, bien écoute un petit peu mon fonctionnement. Peut-être que je vais te montrer un truc qui va être plus parlant par rapport à ce que je disais à l'instant. Vas-y, vas-y. Si tu as des questions, On te n'hésite suit pas. complètement. Non, pour l'instant, Ah tout va bon? bien. Ça va, c'est pas trop embêtant. Alors, il y a une grosse discussion. Il y a Florent, justement, Bonnevial, qui demande est-ce que c'est un peu comme un filtre, en gros, la compo de calque? Non, et Greg lui répond, non, ça mémorise des paramètres de tes calques. La visibilité, est-ce qu'ils sont affichés ou masqués, etc. Parce On qu'il y trouve a. ça où? Et alors bah tiens, on peut le faire en direct si tu veux. Ouais. Là, tu vas dans ton fichier Photoshop, dans ton menu fenêtre, et tu vas lui demander d'afficher les Ouais. compos de calque. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on l'a Ok. fait avec Zach Easy la semaine dernière, Ah, composition ici, de la calque. composition de Voilà. calque. Ah, j'ai jamais vu ce truc-là, c'est fou. Et bah, tu vas voir, je pense que tu vas plus pouvoir le dévoir, comme on dit. Ce truc-là, tu vas faire un petit plus en bas à droite, à côté de ta corbeille, là, petit plus, et tu vas lui dire j'enregistre ça. Tu devrais afficher en même temps tes compos de calque et ton calque, mais. Et là, Ah tu oui, vas. alors. Ah oui, Ouais, d'accord. parce Afficher en que même t'as. temps. T'as... Ah, dans ce cas-là, il faut que je le mette à part. Je vais le sortir. Hop! Parce que les calques, c'est quand même le nerf de la guerre. Je ne peux pas les mettre. Donc lui, je l'ouvre. D'accord, très Voilà. bien. Donc là, tu vas lui dire petit plus, et là, tu vas enregistrer cet état du document. Donc tu vas l'appeler par exemple muscle et scapula et Ah ouais, boucle je crois que machin je chat. comprends. Vas-y, D'accord. Ah voilà. oui, ça enregistre l'état s'il est affiché ou masqué, quoi. Exactement. Oh la vache. Donc là, tu Ah lui ouais, dis c'est OK. génial. Tu feras un renommage scientifique précis Bien après. sûr, Et puis ouais. après, tu masques par exemple tous les muscles. Ok, Voilà. je Et là, laisse que les os, par exemple. tu dis les os. Voilà. Ok, Ok, et puis bah ça y est, après j'ai tu compris. peux voilà et tu peux faire tu peux du coup redonner ces Ah, morceaux-là à ton illustration. Et ce qu'il y a de vachement cool, c'est et là c'est génial. toutes les petites icônes en bas à côté de là où tu crées, ça te permet par exemple si tu décides de rajouter un calque sur toutes les compositions de calques, tu peux choisir à la fois le calque que tu rajoutes et que tu affiches et que tu mets à jour dans chacune, par exemple. D'accord, Donc ok. tu Ah oui, peux parce que quand vraiment je faire crée des nouveaux évoluer. calques, quand je mets des nouveaux calques, il faut qu'ils comprennent s'ils Exactement. font partie d'une ou l'autre composition. Et donc D'accord. ça, ils vont le faire. Et pour terminer, parce que c'est que du bonheur ce truc, tu passes dans ton Photoshop dans le menu fichier. Dans le menu fichier, tu vas avoir l'exportation. Et dans Oh la exportation, vache, tu vas d'accord. avoir composition de calque en fichier.
D'accord, bah, je vois, bah, c'est génial, ça me fait gagner du temps, ça. Et D'accord, là, ok. tu sors des JPEG de tes trucs en direct. Ah ben c'est génial parce que justement je te montrais tout à l'heure exactement ça, c'est incroyable parce que ça correspond vraiment. Tout à l'heure je te montrais que j'exporte justement à chaque fois plusieurs états. Et alors attends, ben je vais le montrer parce que là c'est pas si je montre pas le bon écran. Et donc c'est vrai que souvent quand je fais une illustration, je fais le fond osseux, la version avec les ligaments, la version avec la capsule et la Ok. version là avec la Et ben bourse là, du coup, tu articulaire. les ferais d'un coup. Ah ouais, Parce que d'accord, du coup, ok. à chaque fois, ça veut dire que tu désactives une partie des calques, etc. Quand Je tu as des vois, ah trucs ouais, qui c'est ce passent que je fais. devant, derrière, ça doit te faire deux séries de calques à bouger. Ah bah oui, je vois. Ah bah c'est génial, bah écoute, j'ai bien fait Écoute, alors, non seulement toi, mais Nelly est de contente, Jamila le découvre, Julien, ne Tout le monde est connaissait content. même pas, Bah Pierre oui. Alain trouve ça joli, et Florent, finalement, voit le rapport avec les textes de C4D, et c'est exactement ça, Florent. Mais j'ai juste pas pensé à mettre C4D en référence. Voilà. Ah c'est super, c'est vraiment Ouais. super. Oui, bah écoute, du coup, je peux te montrer quand même On s'était la dit quoi? dernière On petite avait parlé chose. donc les objets dynamiques pour importer les tracés avec les tailles, et ça a été vu. Ouais. Les artères et les veines, devant et derrière. Tu m'as dit justement comment tu gérais du devant, derrière quand les choses se chevauchent. C'est une bonne question. Bah, tiens, je vais te montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour un... Alors, vous allez me dire, c'est toujours pareil. C'est toujours des mains, toujours des machins. Ah non, c'est pas celui-là. Enfin, si remarque. Non, je vais sortir celui qui est un peu plus complet. Pour gérer effectivement le premier plan, arrière-plan, ce que j'utilise souvent, c'est. Bah alors, c'est lequel? Balmer, Nern, non, c'est celui-là. Voilà. Bah alors là, ça me servirait beaucoup les compositions de calque, puisque effectivement, là, tu vois, j'ai une tripotée de choses sur mon illustration. Et donc Alors là. fais-le à l'ouverture, fais un petit plus et là tu mets tout. Le plus tu Ouais. l'appelles tout. Comme ça, tout à l'heure, quand tu voudras y revenir, tu seras trop content d'avoir nommé ça. Voilà. Yes, tout. Bim. Et puis bah donc maintenant, je vais faire une version où j'enlève. Ouais, parce que du coup, t'en as vraiment qui passent dans tous les sens. Et Ouais, là c'est c'est là où tu fais vraiment tes filtres par couleur de calque, c'est ça? exactement, là ça m'aide en fait parce que du coup ici là j'ai fait un système de d'objets dynamiques pour pouvoir exporter carrément les os et les ligaments parce que tu vois ils sont à part dans un fichier qui est extrêmement lourd déjà en termes En termes de ouais de calque. Donc tu d'image vois il de y a tout calque, c'est ça ça? juste pour les os, il y a tout Ouais. ça. Et là ce que j'ai fait donc c'est j'ai séparé chaque doigt un par un. Nice. Voilà. C'est Et assez là, C'est c'est bien. Florent, ton animateur, qui doit être ravi. Oui, parce que, alors là, j'ai pas besoin de vue pour ça. Mais, par exemple, là, c'est assez intéressant parce que j'ai fait exactement ce que je t'avais dit tout à l'heure, à savoir que j'ai toutes mes. On va dire, là, on est sur quoi? On est sur le doigt numéro 3, donc c'est celui-là, très bien, on est sur le majeur. Hop. Et donc, sur le majeur, j'ai le M3 qui est donc le métatarse, c'est-à-dire c'est cet os-là, qui est avec et sans cartilage. Voilà. Et en plus de ça, j'ai le PP3 donc, qui est la phalange proximale, donc c'est celle-là, pareil, avec et sans cartilage. Là, j'avais la flemme de faire des groupes encore en plus, donc j'ai arrêté là. Et puis ensuite, on a la phalange moyenne et la phalange distale, très élégamment appelée PM et PD. Donc voilà. Et donc ça, c'est juste le doigt numéro 3. Et donc, dans l'intégralité de cette illustration, tous mes tracés sont sous forme vectorielle, comme ceci. Donc, ce qui veut dire que je remplis en couleur avec une couleur unie, souvent qui dépasse un petit peu, même si là, c'est pas ouf en termes de dépassement. Mais en vrai, je pourrais aller beaucoup plus loin et puis aller. Je pourrais aller dépasser vraiment très fort derrière. Bon, là, j'aurais dû marquer l'imprimé derrière, tu vois. Et en fait, je dépasse comme ça, c'est pas un problème, puisque bah, le masque va aller recadrer tout ça nickel. Donc ça, c'est un truc que je fais assez couramment. Et là, il se trouve que dans ce truc-là, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai mis un effet contour, parce que je voulais que les structures soient vraiment très différenciées. Et donc, pour pouvoir avoir un rendu un petit peu, on va dire, plus graphique et moins réaliste, eh bien, toutes les structures sont contourées par un contour. Et c'est pour ça que j'ai appliqué un masque vectoriel, parce que si on applique sans masque vectoriel l'effet de contour, je ne sais pas si là ça se voit ou pas, bah là je ne sais pas. Bon, ah oui, c'est parce que là j'ai pas
Pas un Il n'y a contour, pas mais de tu vois, contour. Oui, là, le d'accord. contour, il est vraiment cracra à bloc, évidemment, puisque j'ai un bord qui est très flou. Mais même avec une brosse, enfin, même avec un pinceau très net sur les bords, dès qu'on n'a pas un masque vectoriel et qu'on met un effet contour, je trouve que le contour est beaucoup plus cracra à l'endroit où on a dessiné, même avec un bord très net. Là, c'est assez, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais je trouve ça assez, assez flagrant, ce côté un peu bavé du contour quand on n'a pas le masque Ouais, carrément. vectoriel qui, lui, va rendre le contour nickel. Et alors C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait ce c'est choix. pour ceux qui cherchent des astuces pour le détourage de cheveux, on utilisait aussi l'effet de contour. Tu mets un contour genre vert fluo sur ton détourage de cheveux quand tu fais un masque pixel. Et du coup, bah, il y a exactement la même problématique. S'il reste une seule tache à un endroit, ça va Oui, ouais. baver de manière absolument affreuse et tu peux pas le manquer. Et ça, c'est ce que je fais moi pour corriger mes étudiants quand je leur demande de me rendre un travail de photomontage. Je leur dis, vous détourez bien, vous détourez à la plume. Donc il y en a la moitié qui font les coquins et puis pour gagner du temps, ils détourent à la baguette magique hyper à l'arrache, c'est dégueu. Je mets un tout petit filtre calque et alors là, ça explose de couleur. Enfin, pardon, un tout petit filtre contour, ça explose de couleur dégueu. Et là, je leur dis, ah, tu n'as pas pris la plume pour détourer. Ah C'est bien. ça, c'est exactement ça. Oui, je vois très bien. Je vois très bien. J'aime bien faire le redresseur de tort. Donc voilà, bah tu vois un peu mon truc. Donc là, bah je vais pas enregistrer évidemment puisque c'était dans l'objet dynamique. Et donc bah je vais faire les essais de composition de calque. C'est assez génial. J'ai appris un truc aujourd'hui. Et donc je te disais effectivement qu'il y avait des effets de recouvrement, etc. Ouais, Donc ça là, on voit bien typiquement, sur les veines. ouais. Typiquement, là, cette artère-là, donc il y a un masque. Non, alors c'est pas sur le calque là, c'est ici, sur le vaisseau. Voilà, ça met un petit peu de temps à s'afficher. Donc là, on voit que là, ça paraît au premier plan. Et quand j'active le masque, ça paraît un petit peu plus caché derrière. Mais je n'ai pas voulu le cacher à 100%, donc j'ai mis une densité à 75%. Si j'avais mis 100%, on verrait plus du tout. Et l'intérêt, c'est de bien voir le trajet. Donc je me sers souvent de ça, de ce masque, et souvent je le mets dans un pourcentage entre 50 et 75% en fonction de l'effet que je veux rendre. Voilà. Et après, le travail qui est très très long quand on a des structures qui se superposent comme ça. Je sais pas si ça se voit là, mais il y a des ombres et des ombres propres et des ombres portées partout. Et il y a un calque sur deux qui a une ombre portée, etc. Parce que dès qu'on enlève les ombres portées, tiens, bah, tu vois, je vais faire un truc. Je vais faire une composition de calque. Calque. Tout à fait. Là, tu vois, on Et voit, là, je tu vais l'appelles sans enregistrer ombre, par exemple. exactement. Ah, mais je vois que tu t'appropries complètement tout de suite le truc, c'est bien. Ça fait très C'est un plaisir. kiff. C'est un kiff, attends. C'est Bah génial. ouais. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais tout. Ça marche pas. Voilà. Et voilà. Mais attends, il y a un truc que j'ai raté parce que j'ai un truc bizarre ici. Je sais pas ce que j'ai fait. Remets sur le tout pour voir. Ouais, je comprends pas. De tous et remets ton dernier état de sauvegarde, dernier état du document tout en dans les compos de calque. Au cas où Ah. on aurait oublié un calque au passage, non, même pas. C'est très bizarre. Il y a un truc que j'ai raté, mais c'est pas grave. J'ai peut-être décalé sans faire exprès en montrant le T'as truc. décalé un masque ou un Ouais, j'ai dû calque faire tout à ça. l'heure? Attends, je vais le rouvrir parce que c'est pour. Ça me plaît pas, cette histoire. Et là, tu découvres que t'as une illus Non. imprimée où il manque des trucs. Ouais, non, j'ai fait une bêtise quand j'ai envoyé au client. Il y a un truc. Ah bah non, c'est normal, pardon. C'est parce qu'en fait, c'est un tendon de ce muscle-là, mais qui est tellement. En fait, je l'ai fait trop. J'aurais dû le Trop faire court, beaucoup t'aurais dû plus. faire plus flou dessus. Exactement, j'aurais dû le faire plus flou. Tu vois, je me suis. Voilà. Tu vois, il est pas beau. Donc, je vais le corriger en live, comme ça sera fait. Le gars. Et je vais appeler mon client, ça vous dérange pas. Après le live, si tu Je plaisante évidemment. Mais voilà, là, ça fait beaucoup plus naturel quand même. Ah bah voilà. Voyons. Là aussi, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah bah tu Non, vois, mais il y a vraiment, toujours moyen d'améliorer le truc. il y a vraiment des illustrateurs, c'est scandaleux. Pas bien le boulot. Voilà, je suis plus content. C'est mieux, c'est mieux. Il y a Pierre qui nous dit redresseur de tort à défaut d'être redresseur d'os. Ouais, c'est vrai que je ne fais pas moi-même. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que tu pourrais me soigner ou des trucs comme ça me fait rire. Enfin, en fait, les gens confondent en fait, les médecins, beaucoup de médecins ne connaissent pas du tout l'anatomie, mais soignent les gens. Et moi, je connais plutôt pas trop mal l'anatomie, mais je ne soigne pas les gens. Donc, ça n'a rien à voir. C'est les deux ne vous pensent. On peut pas tout avoir, Exactement. faut Exactement. choisir.
Ouais. Donc voilà, je sais pas si tu veux qu'on fasse autre Non, chose. c'est très très cool. Et alors du coup, ouais, là, tu me dis, en fait, ce que tu me montrais, c'est la veine qui m'intéressait, c'était justement dans Oui. la un peu plus bas. Tu avais vraiment le côté transparence alpha sur les veines en rouge là qui passent sous le muscle de Ouais, la bah c'est ce que cuisse. je t'ai montré avant, c'est que Ouais. dans mes calques, C'est juste ce masque-là, en fait. Ouais. ouais, j'avais juste un seul masque qui, D'accord. en fait, c'est, alors j'ai appelé ça un calque que j'ai appelé vaisseau lunaire. Donc, tu vois, quand je le masque, D'accord. c'est un gros bazar avec toutes les ondes dessous. Hop. Et dessus, tu rajoutes le masque. Si tu fais un alt-clic sur ton masque, je vais peut-être mieux comprendre ce que je regarde. Vas-y. D'accord, ok, ouais, où tu fais réapparaître juste là. Que c'est moche. Oui, mais ça fait le job. Ouais, voilà. Non, ben, voilà, l'idée de toute façon, c'est qu'on gribouille à cet endroit-là et je gribouille juste aux endroits où je veux qu'ils disparaissent. Et par exemple, ici, c'était un peu compliqué parce que d'ailleurs, on le voit dans le masque, c'est que ce nerf fait partie du même groupe de calques, mais lui, je voulais pas qu'il soit effacé. Donc, ce petit nerf-là, il est avec le même masque, mais le masque, Est ben, je l'ai inversé. repeint en blanc juste à cet endroit du nerf. Donc parfois, je fais comme ça, je sélectionne mon nerf, je récupère les pixels du nerf. Tu vois, alors là, en l'occurrence, je récupère les pixels et en plus, je vais faire avec. Je me suis fait un petit raccourci clavier pour les dilatations et Ah je bah fais une oui. dilatation du nombre de pixels que fait mon contour. Bah, je pense que ça doit être 2. Voilà. Et du coup, à cet endroit-là, je retourne sur mon calque et je peins en blanc juste à cet endroit-là après avoir Ouais, fait la pour pouvoir sélection. le faire repasser dessus et pas le... Ouais, Exactement. d'accord. Et que ce soit très précis. Donc voilà un petit peu le projet. Donc là, j'enlève ça. Je peux enlever les ombres un peu partout. On va voir, tiens, je vais me faire ma petite composition de calque. Là, il y a un truc qui peut-être être intéressant Vas-y. que en dehors des ombres. Je vais essayer d'enlever toutes les ombres. Il m'en reste une dernière. Non, c'est bon. Tiens, je vais enregistrer ça. Ah non, il y a celle-là. La coquille est restée là. Voilà. Donc là, c'est sans les ombres, c'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est les gaines synoviales. Donc c'est ces trucs violets, un peu, on dirait du bonbon. J'ai fait un peu glossy exprès. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, même pour les gaines, j'ai fait un contour. Et j'ai joué pour les gaines, j'ai joué sur le fait que mon calque reste à 100% d'opacité, mais par contre, le fond, j'ai baissé l'opacité à 45 pour créer une transparence. D'accord, ouais. Et ce qui fait, ça c'est un truc que j'ai découvert récemment, ce qui fait que le contour reste à 100%. Et ça c'est génial pour qu'on voit bien le contour, mais que la matière Et que paraisse la un peu matière de transparente. dessous passe, ouais. Et tu vois, pour pouvoir donner un effet glossy qui soit pour le coup opaque et qui recouvre bien, je rajoute un calque en plus qui s'appelle reflet et sur lequel je mets que du blanc. Pour que le blanc paraisse plus transparent, parce que tu sais, quand on a une matière un peu de type jelly, même si la matière est transparente, les reflets blancs, eux, sont à 100%. Et donc, j'essaie de donner ce rendu-là. Donc, les ombres restent dans le calque originel. Donc, les ombres, elles sont un peu atténuées avec la transparence. Et par contre, mes reflets blancs, eux, sont très, très, très blancs Très pour être. présent. Et si, ouais, souvent, je contraste très, très fort. Hein, donc, j'arrive toujours dans mes illustrations à un blanc pur, même si l'orientation n'est pas forcément. Lié à ça, et j'arrive presque toujours à un noir presque pur dans les zones d'ombre. Et ce qui fait que c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez certains artistes qui ont cette capacité à donner un beau relief et un beau volume sur les illustrations, alors qu'ils ont des contrastes très faibles, et ça donne Ouais. des effets atmosphériques hyper sympas. Et je suis incapable de faire ça, par exemple. Donc, Bah écoute, là pour le coup, je trouve que tu t'en sors très très bien, si tu avais un doute là-dessus. c'est gentil. Non, non, C'est gentil. c'est vraiment cool de pouvoir avancer, de pouvoir avoir le rendu qui t'intéresse, avoir le rendu avec lequel tu es en accord, toi, tes clients, sur la manière dont ça se présente, dont ça se met en place. Ouais, ça, c'est assez drôle parce que mes clients, qui sont donc souvent des chirurgiens, il y a une forme de respect mutuel parce que les chirurgiens sont souvent assez fiers et on va dire qu'ils sont assez fiers d'eux, mais ils sont incapables de faire des dessins. Ils sont pas tous, hein, il y en a qui sont très Oui, très doués, mais à part il y en a Néther qui, et voilà, il y en a qui arrivent pas du tout et qui, malgré leur fierté personnelle et le fait que ils sont voilà hyper hyper exigeants, eh bien, ils ont une forme de respect pour notre travail. Et donc, ça fait des expériences assez intéressantes d'avoir des gens qui, finalement, nous respectent et nous prennent pas pour des petits dessinateurs dans les coins, quoi. Et donc, souvent, j'ai des compliments sur les illustrations,
voire même des très gros compliments. Par contre, ils me disent, ouais, alors c'est hyper beau niveau graphique. Alors, par contre, l'anatomie, là, ça, c'est pas bon. Là, faut changer ça. Là, faut mettre plus à gauche. Là, ça, c'est devant, c'est pas derrière. Et donc, j'ai des retours comme ça qui sont un peu surréalistes, mais c'est très sympa. D'accord, très bien. Écoute, c'est très chouette tout ça. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont encore quelques questions? Je vérifie s'il y a pas, si j'ai pas raté de contenu. Alors, il y a toujours LK qui nous demande du coup des conseils sur comment acquérir un peu ces connaissances spécifiques qui manquent en cursus classique, les opérations, les contacts, etc., etc. Qu'est-ce que Très bonne tu... question. Très bonne question. Moi, en fait, j'ai réussi à avoir ces connaissances-là et ces connaissances spécifiques parce que j'ai fait des études spécifiques à l'illustration médicale. Quand on se lance tout seul, il n'y a pas à tortiller. Il faut avoir des connaissances un petit peu dans le milieu médical. Les chirurgiens sont des gens, de ce que j'en ai vu, extrêmement confraternels. Et donc, par exemple, certaines de mes illustrations ont beaucoup plu à certains chirurgiens qui ont partagé à d'autres. Et maintenant, j'ai un flux continu de demandes, et c'est une chance, par des connaissances, de connaissances, de connaissances. Donc, idéalement, peut-être que pour commencer, il faut peut-être travailler avec son médecin de famille, un cousin qui a fait des études de médecine et qui passe une thèse et qui a besoin de 2, 3 illus. De toute façon, à partir du moment où on a un peu de réussite en termes de dessin, on n'est pas garant scientifique de notre travail. Donc, on aura toujours un commanditaire qui va nous dire si le dessin est juste scientifiquement ou pas en fonction de ses propres connaissances. Et donc, à force de faire des illustrations un peu scientifiques ou un peu didactiques, on finit par se faire un book et c'est là qu'on peut commencer à taper un peu plus haut, je pense. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne méthode, mais c'est comme ça que Ouais, ça je me ferai. semble. Mais il faut avoir des connaissances un tout petit peu dans le milieu scientifique, mais pas beaucoup, hein, juste un peu. Proposer de temps en temps une illustration gratuite pour quelqu'un qui a un besoin et ça peut faire un effet boule de neige assez rapidement. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Je non. Ah, Laurent nous dit, ou alors avoir être en bon terme avec le boucher du coin. Ouais, C'est et peut-être ça, c'est ça. un truc qui est drôle, hein, mais moi, ça m'arrive souvent, justement, quand je vais dans les magasins, type la boucherie, typiquement, je regarde un peu. Les Les textures de structures. viande, les textures de viande, ouais, les textures d'os aussi, parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent, qu'on dessine souvent un peu jaune-gris. Et en fait, les os, c'est complètement blanc. Enfin, un os, il n'y a rien de plus blanc qu'un os. Moi, je le dessine légèrement jaunâtre, un peu beige, mais en vrai, c'est archi blanc. Et même les cartilages. Nous, il y a plein de conventions en anatomie, c'est assez drôle. Tu vois, là, typiquement, c'est vraiment une illustration qui n'a rien de réaliste, parce que c'est une illustration qui a plein de couleurs. À part le muscle qui est rouge, les veines et les artères, c'est complètement blanc. Donc, si on a une veine ou une artère qui est rouge, c'est parce qu'il y a du sang dedans. Voilà. Donc c'est vivant et donc Voilà. Mais toutes les structures sont complètement blanches. Et donc, on essaye pour l'illustration médicale, pour le côté didactique de la chose et pour bien différencier les structures dans nos dessins, on a un code couleur qui est très classique et que tous les illustrateurs suivent. C'est les nerfs en blanc ou en jaune, les muscles en rouge, un peu rose, les tendons en blanc, les capsules, souvent c'est en vert, les gaines c'est en bleu ou en violet, les veines c'est toujours en bleu, les artères toujours en rouge, alors qu'en fait une artère et une veine, il n'y a rien qui se ressemble plus. C'est ça, ouais, t'étais pas capable de connaître le pourcentage d'oxygène dans chaque. En vrai, le sang veineux, c'est un peu plus noir que le sang artériel qui est très rouge vif parce que la quantité d'oxygène est différente dans les deux, mais enfin, faut connaître pour faire la différence. Moi, je fais pas la différence. Il faut re-regarder ces épisodes d'Il était une fois la vie pour Mais avoir oui, mais la ça, différence. c'est incroyable. Il était une fois la vie, c'est génial. En plus, c'est très juste au niveau anatomique. C'est un travail de fou qu'ils ont fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah écoute, merci, merci beaucoup. Je suis C'est moi, remonté. c'est moi. Un des profils que j'avais vu passer 2 secondes, c'est Agnès Comte qui a dit qu'elle était ravie de voir l'envers du décor. Ah bah c'est cool. Bah Agnès, c'est une cliente fidèle d'une agence sur Paris. Bah merci Agnès d'être passée, c'est super. Et puis, ben, si ça vous a plu tous les uns les autres, on va se remettre juste le petit bout d'agenda qu'on partage régulièrement pour que vous sachiez que vous ne ratiez pas les éléments, les sessions à venir. Donc demain, on va parler Photoshop et on va parler automatisation. Demain, 14h. Vendredi, Pauline reçoit Morgan Gage sur toute la démarche de présentation et de branding client.
Voilà, et puis vous pouvez toujours regarder les replays, pour ceux qui n'ont pas fait attention. En dessous, vous avez toutes les anciennes vidéos, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a proposé pour vous, que ce soit dans les domaines de l'illustration, de la photo, du motion, etc. Il y a de quoi faire largement. Et je vais vous mettre aussi le lien du Discord, parce que c'est important que je vous le, rappelle, vu qu'on on y passe très régulièrement. Et sur ce Discord, en fait, vous pourrez échanger avec, avec certains des artistes qui sont passés avec nous, prennent aussi le temps de le lire de temps en temps, puis je vous remets toujours les liens après la session. Donc comme ça, vous êtes pas perdu, vous avez de quoi retrouver les contenus, etc. Tout ce qu'on a pu partager, ce sera présent là-bas. Merci à tous, merci beaucoup à toi d'avoir échangé avec nous et d'avoir précisé ça, Charles. Merci, merci beaucoup, Franck. Et Champignoff me dit, j'ai passé 16 scintigraphies, c'est joli. Effectivement, bah, ce sera, je pense, le mot de la fin. Il a dit scintigraphie et t'es repassé en vert. Ah, ouais, ah j'étais dommage. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez. Merci, merci beaucoup, Franck. À et bientôt. On se retrouve tous demain. À 14h. Bye bye.